Bienvenue, Madame, Messieurs, sur Chancelier Tchela News. Merci de nous retrouver une fois de plus. Ngaïna Bino, Bino Nangaï. Bon, après, on a Kobeta Masolo et Ambo Kanabiso, Makambozali à Koinda, Tostobeta qui s'était, Nao et Tali, sécurité à Mokondi Amboka. Tokozong le yango na poko ya lelo bandeko balandi bana Congo boye ba ete mokonzi ya mboka azalaki na Congo central mpona kononse makambo ya matali lotiliki na cité ya mbanza ngungu. Alors video wana esirkule esirkule a tozo koyoka ete ba audition esi ebandi ba audition multiple mpona bato oyo bayebi na konéglige sécurité bayebi na kosalamakambo na superficialité etc etc. Alors peuple congolais tozongisana na video wana émission tozongisa même video ya Fatshi tango alanse makambo ya lotiliki totie Fatshi mpo bokomprendre contexte après video ya ye gouverneur et puis après tokoyeba na koévolue na baactualité na biso mosusu soit carrément on va devoir prendre cette information là en dernier lieu. Mais bon, on va commencer par la situation préoccupante à l'est de notre pays. Les combats continuent. Ce soir même, on vient d'apprendre que les M23 ont tenté de s'incurser na niveau ya Kibumba centre pour nakoyeba na ko attaquer ba FARDC. Bon pour na bango ba FARDC ba bi na ko empêcher progression pe ba positionnement na bango a to zali ko loba wa plusieurs morts sont enregistrés to tia ba image pour na bandeko bazalia wa pour na ko ba na ko landa situation na mobimba yango. Des rumeurs qui sont fausses circulent comme quoi le président de la République a rencontré Kagame en Angola aujourd'hui. Faux et archi faux, faux et archi faux. Les mini-sommets qui devraient se tenir en Angola, chers Congolais, devraient avoir lieu ce lundi. A été reporté, je vous en avais parlé hier. Mais là, João Lourenço venait à nouveau d'inviter le président de la République, M. Kagame, et puis M. Ndayishimiye, d'aller autour de lui au niveau d'Angola le mercredi ou le jeudi prochain. Jusque là, aucune réponse de la part de Kinshasa ou de la République démocratique du Congo. Donc ce sont des fausses rumeurs, mais je vais prendre le temps de pouvoir rétablir la vérité pour vous faire comprendre que Tshisekedi n'a pas le droit à l'erreur. Il ne peut pas avancer et reculer sinon à tomber dans le piège au Yobanguna et au Congo Basi battre contre Mbokanabiso. Le matin d'aujourd'hui, Tolamou qui n'a pas la panique totale dans le Bandeau et à Kisangani, avion Moko et Kiti, avion Moko et Ali blindé, Zali n'a pas matériel militaire, Bazui en gros et Kiti, Zali qui n'a pas en plein air. Cinq autorisations dans l'autorité soi-disant à Kinshasa pour baisser à l'inibar autorisé atterrissage Nabango à la hâte les temps bas réparés appareil Nabango Patrick Mouyayao a sali briefing lelo a bien d'accord précisé sur la question Bokolanda payé na émission la viso et puis Toreba na Kobeta Masolo ya Mobimba au ezoko le kana niveau ya lobbying na niveau international situation ezoko progresser en faveur ya RDC. Ne soyez pas surpris que Mikomizali Koya Batouo yo baye na bango o EAC baza ande po na koluka ko faire partir Kagame na Museveni et ainsi ba koluka bisto yo bana ko sala nini to yo bana ko se positionner vis-à-vis à insécurité bango bazali na intention ya ko créer na niveau ya Uganda na Rwanda. Mengale oko to za toujours na moi avance et actualité to zui moi ba source de gauche à droite to lingi to préciser les bande ko ngoso na occasion ya émission po batou ngoso bazala éclairer na situation na mobimba na yango. Processus électoral na mboka na biso makamozo otambo la malamu na mwa o ezoko banda enrôlement ezoko banda na ba province o ezali déjà identifié sélectionné par la commission électorale nationale indépendante o ezali ko pesa go na ba vote o ekosa la matope élection ko sa en décembre il y a 2023. Pratiquement 38 jours, son ami Kosite nous sépare de l'année électorale. Tozali na kati ya lokoso ya ba élection te, tozali na kati ya kowele la bo sali sami ya ba élection te, tozali na bo senga ete, ba Congolais ba se sentir sécurisé, ba Congolais ba se sentir epay na bango en toute sécurité avant toi ba na ko satisfaire na ba besoin ya communauté criminelle ba bengi communauté internationale po bango ba ko senga ba élection po na koluka ko créé ba chaos. Ba ebi bien que ba situation ezali très compliquée, ba situation ezali catastrophique na mboka oyo, mais bazoko profiter oto lingi to financer ba élection o kanisa kwa to yebisi baronke to na mbongo te nzoka to na mbongo tona mbongo tu esenge to ko organiser ba élection na biso na mbongo na biso moko ba ngonde siko ba luka ba piéger biso ba tendre biso main ote ya biso contribution ya ngoyo soki bolingi bosala ba élection mutu moko asengi bango contribution a
posa ya lisungi na bango azate toi na mbongo na biso. Je dois parler na place wana na français, permettez-moi, pour que Macron soit au courant, parce que pour votre information, Macron est en train de faire quoi? Il est en train de mener un lobbying au niveau de l'Union européenne pour demander à ce que l'Union européenne puisse mobiliser de l'argent pour venir aux unités de l'EAC ou à l'EAC. Je vais décortiquer tout ça pour comprendre hypocrisie au ezoko salama sorti au télémité mboka na biso toko sutuka yango. Toko lomo na tsaki babloko ya nyaruga bwa boyokaki. Donc ma plan on a ba RCD Goma et bandal leloté. Mais aujourd'hui, ils ont la malchance d'avoir face à eux un peuple soudé, mobilisé, éveillé et conscientisé. Contrairement au départ de Mobutu où les gens étaient fatigués de sa dictature, de ce qu'il faisait, tout ça, Mobutu n'a pas bénéficié du soutien de ses compatriotes. Si ça a été le cas, RCD Goma linga ils a même pas Laurent Désiré linga contacté Kimia linga za na mboka na biso. Toka na malamu bande ko balandia chancela chala news. Bazoko luka, kochaps na kati ya piège. Ba élection, ezali ba élection na biso moko, ezali ya bangote. Ba bengi yango commission électorale nationale indépendante. Ba lobi te ke commission internationale, ba lobi bongote, ba lobi nationale, donc ezali ya biso moko. Siko bango ba olinga basa nini, ba kotsa biso ba nyongo na makasi. Pona koloba nini, bon ok, bon, makamba ba élection ezali en cours, vous devez tout faire pour organiser ba élection, hein? Voilà notre part de soutien, bozoa, toi na posa na ngote. Pon en retour, ba ko exige le biso ba bloko yo, toza incapable ya kosala. Wana batebe bazoye bayangote. Oh non, Tshisekedi azo boya koorganize belektion kwa ebi kia zana bilante. Ako longa na 2023. Azo koka mana pouvoir. Nani ako sibino. Maloba tu bolo ba na bolo ba kapo boza sentiment ko loba. Mena mitema bino mo boye bikina. Ba temisi ba kandida tu. Ba mukwege ba nani. Tous na 2023 Tshisekedi ako batre bango pla. Ok? Bino ngosto boye bi ango na pa rappele sa a ki que ce soit. Boyebi yango très bien. D'ailleurs, c'est ça qui constitue le leitmotiv nabino ezoko zang sabino kimia ezoko tina nabino na kati ya koluka ote tokeyi lobbying na international tokeyi koyeba na kosa tournée na international tokutana ba bailleur de fonds bino boaba opposant ba bailleur de fonds o wapi bino boluka bokutana ba on na ba bailleur de fonds bokutana ba mozola kabango nini parce que vous n'avez pas la gestion du pays ba bailleur de fonds bokutana ba mozola kabango nini tolingi toyeba. Tolingi toyeba, bozo la kabango nini. Po mboka ezamboka na bino te ezamboka ya ba kongole. Kongole moko te a charge bino. Allo? Bonjour maman. Bonsoir, tozo yo kayo papa. Vous pouvez me rappeler après parce que là vous me prenez le temps, je suis en direct. Merci. Ok, merci. Alors. Batu ote tokei lobbying na international, peuple a désigné yote, yomoko lamuki ote bonga nazali opposant la bongisi kazaka nangai, na kei bako yambanga na Union Européenne, bako yambanga na chargé ya affaires étrangères, boki ekote kamboka inconsciemment. Avec 14 milliards otoza nango, soki, ba mikondi yamboka, bazali na bosenga, yako organize ba élection, bako zwakara misol na kati ya 14 milliards wana, ata 1 million. Bah ça dit en gros élection. Attends 1 milliard ouais, tu as 1 milliard, il y a pas de problème. Bah ça dit élection pourvu que toi ça exclu na plan wana ya balkanisation au bango communauté ya ba criminel, bah ça n'a ngo contre biso. Nous n'avons pas besoin du soutien financier ou logistique de la communauté internationale. C'est une façon de pouvoir nous assujettir. Nous l'avions très bien compris parce que vous aviez piégé ceux qui ont précédé Tshisekedi au pouvoir et à vous avez le pouvoir d'obliger à la MONUSCO de rester là pour soi-disant superviser les élections. Or, dans la mission de la MONUSCO, il n'y a pas une question qui a un lien avec les élections, mais vous les faites à cause de votre égocentrisme, à cause de votre esprit criminel, à cause de votre intention de pouvoir subjuguer notre pays pour votre profit.
Nous avons plus de 14 milliards dans notre budget. Si on a besoin de votre argent, on va vous le demander. États-Unis, France, Union européenne, personne ne vous a demandé quoi que ce soit. Gardez votre argent pour l'Ukraine, gardez votre argent pour l'organisation des élections en Ukraine. Pour nous, les élections révèlent de la souveraineté, d'un devoir au sein de la Constitution qui n'a pas été élaboré par la communauté internationale, mais par les Congolais qui ont consenti de pouvoir mieux faire les choses pour leur pays. Alors, halte à vos manipulations, à vos instrumentalisations. Oh non, on a reçu tel opposant, on a parlé du processus électoral. Nabonata en combat bâton, on a fait la bango publicité, mais to seng na fachi, a fungo la misu, na likamba ba élection. Denika dimasi a l'obiete, moi o ezo koya wa ezali, moi o toko banda enrôlement, ce qui prouve à suffisance que la CENI est capable et est disposé à pouvoir nous organiser les élections dans les délais constitutionnels. Mais si jamais les élections n'auraient pas lieu dans la date prévue dans la Constitution, certainement qu'il y aura des explications convaincantes et persuasives qui seront exposées à tout le monde pour que tout le monde les sache. Vouloir ou pas, oh non, Tshisekedi ne veut pas organiser les élections, tout le monde sait que si Tshisekedi organise les élections, c'est pour sa réélection et pas l'élection de Fayulu ou Katumbi Kabila, peu importe. Vous le savez. Alors cessez avec la confusion, cessez avec la distraction, concentrons-nous sur des problèmes et des défis majeurs auxquels le pays fait face. C'est tout. Vos histoires, 2023, il faut que tu te kende. Tant qu'on a encore à 7 na likambo. Mouchiki wabo, tant qu'on a lobby, oh non. Bazoko revendiqué accord aux Ezali signé il y a de cela 10 ans. À moins que Ngana Zamayel était. Mais naïve qu'il y a de cela 10 ans, Tshisekedi n'était pas encore président de la République. Il ne pouvait pas engager les pays, encore moins s'agissant des questions sensibles en matière de sécurité face aux terroristes qui tuent les Congolais au quotidien depuis plusieurs années maintenant. Donc Tshisekedi n'avait aucun pouvoir de les faire. Alors à cela, vous avez la réponse à vos questions. Nanyango a signé un accord. Tshisekedi a signé un accord le Kuta. Bato ba signé ba accord ezali muto ya zaki président en 2012-2013 ye wana pe na bato nonso ba kambaki mboka na époque wana bango ne muto ba ki na ko signé ba accord na ba terroriste ya M23. Alors j'espère qu'à partir ya lelo muto nonso longo li kombo ya Tshisekedi na munoko na ye. Je ne défends pas Tshisekedi. Mais je veux que chacun de nous réalise et comprenne l'essence et le silence y a bato ebele en termes ya ba politicien na mboka oyo. Tana bandai koloba yo zo ba nini yo zaka wana pona ko défendre Tshisekedi oh bona mais ce qu'on croit vérité bimike ezali Tshisekedi te ezali bato basali 18 ans na pouvoir ba ngone mutu basinga ki ba corps na ba M23. Maintenant vous comprenez pourquoi bato à 18 ans ne parle pas face à agression et à Kagame. Parce qu'ils savent qu'ils ont signé ces histoires-là, ils ont signé intentionnellement ces histoires-là, ils ont plongé les pays dans les chaos. Aujourd'hui, sur l'Amérique, on a le bac et l'eau, comment on a mouqué kaka. Bah, M23, bah, comme ça, bah, c'est écrit, bah, on y est. Et bah, poursuite, na niveau, y a international. Et au banda déjà. Oh, t'es arrestation, oh, mandat d'arrêt, oh, bon, d'abord, au banda. Y a un moment, bah, on a choisi. Bah, ce qu'on a quand il y a conflit d'intérêts. C'est eux qui ont donné, naba M23, bah, promesse, qui ont fait ces promesses-là, naba M23. Mais aujourd'hui, ils ont du mal à se positionner. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas réalisé les 100%. Il y a, bah, promesse au Basalaki. Ils ont commencé à réaliser. Et on est tiré qui a mouné, tu sais, qu'il y a, à briser, yango, à rompre, yango, à anéantir, yango. Maintenant, bah, yo qui kanda. Bah, l'obi, ah. Ndenge to bongisa ki M23 bazwa ki ata pourcentage wana bisbe to ndenge to profiter na moi quand to bianza na sima wana siko lelo o makam ndenge baluki to si to perdre to sa ndenge ni bon to bandaka ko attaquer Tshisekedi to bandaka ko sa nini ko banda ko humilier Tshisekedi ko banda ko nyoko la Tshisekedi ko banda ko distraire peuple congolais dikambo zali yango na otang to bazome la biso ba sujet autour ya ba individu ta ba individu yango bisika ba tiki mboka. Tala mushiki wabo a lobby. Opposant nini oyo a sali commentaire na ba propos ya mushiki wabo. Opposant nini oyo a sengi na bato a 18 ans compte par rapport ya ba déclaration ya mushiki wabo. Azalite. Alors comprenez position ya ba oba mbenga ba opposant. Sont-ils vraiment des opposants ou sont des ils sont en fait de profiteurs, des opportunistes qui cherchent au fait une occasion sur laquelle ils vont sauter et pour se dire leader ou grand leader dans ces pays. Parce que Bazaki bato ba lingimboka, mushiki wabo lobi yango clairement. Bato ba signa ba accord il y a 10 ans passé normalement opposition tant bazo ba Tshisekedi bimisa ba accord yo signé na ba M23.
Le quoi si quoi version mususu ebimi. Il faut qu'on tourne à ce qu'on bateau mushiwa batangi. Que non bino bateau bosinga ki bako il y a 10 ans qui était président de la République Mututel. Qui était ministre des Affaires étrangères paix intégration régionale Mututel. Qui était ministre à l'intérieur Mututel. Ministre à la justice Mututel. Bo recenser bato na ba musu ba na kati ya senawa. Bo recenser ba ngonyo so ba ni siko pression li ko na bango. Mais bo sali yango te pona nini? Po bino bo comprendre te au fait. Bo za flou na ba revendication na bino. D'un côté c'est la haine qui vous anime, l'autre côté c'est le tribalisme et de l'autre côté vous savez clairement que en faisant face à Tshisekedi en 2023, beaucoup échoué carrément. Alors bon, on a choisi qu'il y a qu'au diaboliser peuple, il y a qu'au distraire peuple, puis il y a qu'au empêcher bah tout bas réfléchir. Il y a on en a qu'au zoaka bah tant. Ya ko ya ka ko explika ka na bandeko tu ba kongole e sengeli ba ye ba likambu oyo to ye ba yango malamu bandeko na ngai a ba koro ba M23 ba zo revendiquer e za ba koro ba to ba dirija biso il y a 10 ans na bona se la bango publicité parce qu'ils ont vendu le pays ba to ye ba dirija biso il y a 10 ans bo ko ma komo na ba on a commentaire bo ye ba ngo malamu ba ngo nde mutu ba singa ba koro na ba M23 ba la ka ba ngo 43% ya gestion ya mboka. Bomi tout nanan ba terroriste rwandais ba ya kozwa 43% wana za ki esprit nini intention nini ya comme ça Congo le ko la Soudan Soudan dit na Soudan et comme après Congo de l'Est na Congo ezala kate au moins si ko nenge vérité bimi na bango ba fan na ba journaliste oh bazo ko dépendre na ba officine ya ba politicien tout ça ba kangi munoko ba na choate po ba patron na bango ba bayor des fois na bango bazali déjà exposé devant monde entier ba to tout ba yebi ke ah likambo Congo azo ko traverser ezali faute ya mutu boye bino ba to bozali on na ba nengo lo bana ba émission oh te bon bango baza ba traître po baza ba touti baza ba utu. À un certain moment, ton mécano qu'on réfléchit peut-être aux acapés réalistes. Attends aux atouti, attends aux atoutou. Pour tout ce que le Congo t'a donné, pour tout ce que tu es devenu grâce au Congo, tu dois être redevable à 85% à la RDC. Pour ébélé, boye bani wana cause ya Congo. Sobo zaki na Rwanda na dictature, kuna bolinge boye banate. Moutolinga e babino azate. Sobo zaki pe na Uganda na dictature, moutolinga pa e babino azalite. Mais boye na kati ya démocratie wa bo bâtir ba empire économique basi na bino ba millionnaire bino moko ba milliardaire ainsi de suite ba na bino to e même pas ba na ba banque ba za combien ba ndeko famille mo ba to baza ka soki combien de personnes makambo kili 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 lelo o ngo so oyo to ba hote chiteke dabi misaba accord mais ba accord ici e bini il y a de cela 10 ans passé donc na 2012 ne ba accord za ki signé. Boyo ki eh si ko oya linga luka ote ba ko atu na no bato baza ki na 2012 atu na so bato na babimi si to régler situation na bango après to tuni petit c'est dit yo pe oya yo ya ngo api po yo pe to se pe na yo zali congolais mais so ko meki ko trahir biso bimi sa so ba ko na yo to retour na ye mais pour l'instant le quoi vérité bimi et singel to ye ba vérité tina suka to ye ba vérité tina suka na so ko ba siko na actualité ba ndeko na ngai ba congolais. La vérité, yo Macron, oh non, alors ça la lobbying, na niveau ya Union européenne, pour na obtenir financement ya EAC, na ba unité na bango oyo et qu'on a déployé na Congo, alors c'est le bango financement. Je ne sais pas Macron, aza bailleur de fonds ya bato EAC. To azane patron ba président ya EAC baza bana bitinda ya Macron. Hmm? To ntoye ba Macron, en quoi l'histoire de l'EAC composée purement des Africains peut préoccuper autant Macron, alors qu'il y a l'insécurité en France plutôt, il y a du vol, il y a la criminalité, il y a aussi l'insécurité alimentaire et économique de gauche à droite, il y a insécurité qui bat son plein en France, il est incapable de remédier à tous ces défis-là. Mais il prétend être préoccupé par des problèmes congolais. En vrai, ce n'est pas être préoccupé. En vrai, l'histoire de l'EAC, c'est un truc, en fait, qui est composé par des présidents africains qui sont des marionnettes et des garçons de course de l'Occident, en l'occurrence de la France, des États-Unis, de l'Angleterre, du Canada et bien d'autres pays, membres de l'Union européenne, des conseils de sécurité, blablabla, tout ça. Alors, ils ont créé cette histoire de l'EAC pour permettre à ces pays-là, parce que
Clairement, ces pays membres de l'EAC ne sont pas des pays crédibles en Afrique, ne sont pas des pays modèles en Afrique. Ce sont des pays qui sont qualifiés dans les magouilles, dans tout ça. Nous, on regrette déjà le fait d'avoir adhéré à ça. Alors, il n'est pas encore tard. On peut se retirer avant que les pires ne puissent nous arriver. On peut se retirer. Macron se préoccupe de la mission. Il y a PSL, il y a président dans l'EAC. Tout le monde doit le savoir. Macron n'est pas préoccupé parce que voilà, il veut aider l'Afrique. Pas du tout. Alinga a aidé l'Afrique, mais comment au Mali? Au Mali, on l'a chassé. Comment au Burkina Faso, il a été chassé? Il y a Alinga a aidé l'Afrique. Non. Alinga a sujetti aux Africains. Na ba richesse na bango ya a dépouillé yango a kéna yango pona bo mengo na ye na ba français. Alors ba oh ba si ba comprendre yango ba salini ba ba ni ko bengana ka ba français. Et tika lika rabiso, mais entre-temps boycottons s'il vous plaît, boycottons tous les produits d'origine française, boycottons le réseau Orange, ba Africel, ba RTL, to boycotter yango. To boycotter yango. Ça va de notre droit et de notre souveraineté. Macron, c'est lui au fait derrière l'histoire à EAC. Je m'étonne que Rwanda et le roi de Genakati à francophonie bandaka là. Mais au moins Rwanda est dirigé francophonie. Hein? Rwanda est un pays anglophone qui dirige la francophonie. C'est clair, Macron veut à tout prix avoir une mainmise sur le Congo. Macron tala bayambi et bayambi ayambi ndaishimie. Ndaishimie qui était pro-Fatila. Oh non, moi aussi j'ai les mêmes problèmes, tout ça. Ndaishimie, après avoir été reçu par Macron, il change des points de vue. Oh non, jusque-là, il faut prouver la présence de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Ah bon, donc Ndaishimie vient contredire les experts de l'ONU. Regardez comment les présidents africains sont infantilisés, sont néocolonialisés et manipulés par d'autres présidents. Il n'y a pas de sous-État, monsieur Ndayishimiye. Il n'y a pas de sous-État. Le Burundi n'est pas un moins État que la France. Ok? Alors si toi tu te positionnes comme un moins État, à gober et à avaler les potipotas de Macron et nous foutre la paix carrément. Alors n'associe pas dans tes propos le Congo. N'essaye même pas de parler du Congo quand tu es face aux gens qui te nourrissent, monsieur Ndayishimiye. C'est du vrai bra 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 bla 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 bla, tout cela pour rien. Pour rien. Ndayishimiye qui se disait, nous sommes des Hutus. Des problèmes avec les Tutsis. Kagame nous aime pas. Nous, parallèlement, on n'aime pas Kagame. Aujourd'hui, Macron l'a reçu. Macron lui a inculqué des conneries, des inepties, des mensonges et des bêtises. Il revient, il dit, non, le Congo doit encore prouver la présence de l'armée rwandaise. Monsieur Ndayishimiye, pour votre connaissance, le Congo n'a rien à prouver, ni à la communauté internationale, encore moins à toi et à ton pays, les Burundis. Ok? Vous avez la chance d'exister parce qu'il y a un grand Congo qui est là au centre. Si le Congo n'existait pas, vos minimums des pays là, vos minimes là, un pays qui manque à manger, un pays qui manque à boire, un pays qui manque d'électricité, un pays qui pour être électrifié doit dépendre de la RDC, et vous avez les kilos de parler du mal des pays qui vous fournit presque 70% de votre survie. Monsieur Ndayishimiye, personne n'est à mandater en tant que porte-parole du Congo pour aller raconter ta vie au sujet du Congo. Alors si tu as avalé potipota de Macron, tu n'as qu'à te réserver et pas faire les logorés contre la RDC. Personne n'en a besoin. Le Congo se défendra seul jusqu'au bout. Le Congo n'a pas besoin de faire des alliances nocturnes avec Kagame, Macron ou n'importe quel autre pays parce que le Congo est un grand pays plus que la France, plus que plusieurs autres pays qui cherchent à manigancer l'insécurité à l'est de la RDC. Ok, on n'a pas à se justifier. Les experts de l'ONU sont venus. Bien avant qu'ils ne viennent, le Congolais, on savait déjà. Depuis que Laurent Désiré a été tué, jusqu'aujourd'hui, la situation ou les situations autour de sa mort n'ont pas encore été élucidées. On se pose des multiples questions. Avant sa mort, il y a eu des Nyarugabo de Rubéroa qui créent RCD Goma pour faire face à Laurent Désiré parce que Laurent Désiré les a chassés alors qu'ils sont simplement des Rwandais, blablabla, tout ça. Aujourd'hui, les gens veulent nous dire le contraire. Que les gens nous disent, oh non, ben voilà, il faut prouver, on n'a rien à prouver à personne.
On n'a rien à prouver à absolument personne. On se défend. Ça fait plus de 60 ans que nous sommes un pays indépendant sur tous les aspects. C'est vous qui venez vers nous pour demander Todef Sabino. On n'est jamais allé vers vous, Ote, Boyatoku Finanzala. On a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. Et avec lithium, uranium, tout ce qu'on a, si on rallie la Russie aujourd'hui, même le Burundi, Borozalokola, sous-État, Borozalokola, province Mokoya Congo. Monsieur Ndaishimiye, apprenez à respecter les Congos. Ok, Kurunzinza, Kurunzinza ou Kurunzinza, tout ce que vous voulez. Il a des carrés miniers au Congo. Hein? Ça, c'est déjà pour vous dire que le Congo a tous ces éléments en vie. Kurunzinza. Dites-moi maintenant le nom de quelqu'un qui a un carré minier au Burundi. Au Rwanda ou en Ouganda. Ou au Kenya. Dites-moi, absolument personne. Ça, ça prouve la grandeur du Congo. Il suffit que nos autorités prennent conscience et réorganisent les choses pour les biens de notre pays. Parce qu'à cause de vouloir se familiariser avec n'importe quelle personne, avec des personnes inutiles, ça nous pousse aujourd'hui à tomber dans des pièges. Oyo, Macron veut intervenir pour le Congo. Qui a demandé quoi à Macron? Pour quel motif? Lélo, oyo, tout le monde a Patrick Mouyaya. Azo, Koloba, Awa. Avion ya Macron ekiti na Kisangani. Bota nenge nzamba la rate ya. Bando ki san. Il y a eu beaucoup de réactions Landa. Au sujet de l'avion français qui a atterri à l'aéroport de Bangoka. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un avion qui a atterri en détresse parce que l'un des moteurs menacé de prendre feu, donc la température était élevée anormalement. C'était les vendredis derniers, et donc l'aéroport le plus proche où ils avaient demandé à atterrir, c'est à l'aéroport de Bangoka à Kisangani. L'avion comptait 9 membres d'équipage qui venaient, je pense, de l'île de Réunion, qui devaient passer par Bujumbura à N'Djamena. C'était un vol de routine d'après les rapports qui ont été faits. L'avion a été fouillé par... disons fouillé ou inspecté par le service, notamment de la DGM. Il y avait 9 passagers, 4 membres d'équipage et 5 autres pilotes qui devaient être relais, qui devaient relayer d'autres dans la destination finale, et qui n'a pas de matière à panique. Ils attendent. L'avion est en panne, ils attendent une intervention qui doit venir de Paris avec les matériels pour remplacer le matériel défectueux. Et d'ailleurs, nos forces armées ont pris en charge les membres d'équipage, notamment en leur offrant de rester dans des hôtels, dans des conditions. Et donc, ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux n'est pas la vérité. Nous pourrons évidemment vous partager. Ok, Patrick Mouyayazo, quoi expliquer? J'ai vu qu'il y a eu beaucoup de réactions au sujet de l'avion français qui a atterri à l'aéroport de Bangoka. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un avion qui a atterri en détresse parce que l'un des moteurs menaçait de prendre feu, donc la température était élevée anormalement. C'était les vendredis derniers, et donc l'aéroport le plus proche où ils avaient demandé à atterrir, c'est à l'aéroport de Bangoka à Kisangani. L'avion comptait 9 membres d'équipage qui venaient, je pense, de l'île de Réunion, qui devait passer par Bujumbura à N'Djamena. C'était un vol de routine d'après les rapports qui ont été faits. L'avion a été fouillé par, disons, fouillé ou inspecté par le service, notamment de la DGM. Il y avait 9 passagers, 4 membres d'équipage et 5 autres pilotes qui devaient être relais, qui devaient relayer d'autres dans la destination finale, et qui n'a pas de matière à panique. Il attend. L'avion est en panne, ils attendent une intervention qui doit venir de Paris avec les matériels pour remplacer le matériel défectueux. Et d'ailleurs, nos forces armées ont pris en charge les membres d'équipage, notamment en leur offrant de rester dans des hôtels, dans des conditions. Et donc, ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux n'est pas la vérité. Nous pourrons évidemment vous partager. Alors, bah, explication et à ministre Colobanan. Cargaison est tombée en panne, autant d'équipage est allé bisous à Tamoukete. Hein? C'est une coïncidence? La France qui intercepte un avion
chargé des arsenaux militaires congolais, parce que le Congo doit notifier les espèces de ces matériels-là auprès du Conseil de sécurité. La pression s'accentue au niveau national contre la communauté internationale. Et on se réveille un matin comme ça, les mêmes avions, oh non, se rendaient, oh tantôt à N'Djamena au Tchad, oh non, tantôt en Ouganda, eh mais ben bon, comme par hasard, comme par miracle, comme voilà, ça tombe au Congo et à Kisangani. Macron qui pense que nous sommes tellement des enfants, oh bon, donc bah zoom Balingeba qui est renforcé les Angos bah Ougandais. Koko bah là la caté. Babi Eroko Makunate. Avion a noté ça et Bongate. Babiloko wana soit baba no mamo na mutuka bake nango soit ba otika ngo wana. Bokanga bien makam na yebisi no yoko Bongate. Bokanga bien. Et bah oh non, ils ont déjà repéré la panne tout ça ce quoi il faut bah commenter déjà Ezoya, Ekoya, Ekosalate. Notez bien ce que je vous dis. Car, pourquoi? Parce que, na, côté Balekeliwana, c'est pas loin. Kisangani, là, c'est pas loin de l'Ouganda. Il y a des gens, Nandira et Équateur, Bakinda, Kisangani, Bakéi, Kampala. C'est pas loin. Ils pouvaient atterrir dans Kampala directement. Topé dans la province environnante et à Kampala. Mais, Bakiti, na Kisangani. Et ça, Azarte. Et ça, hasard, tes appels, tes Bah, y'a qui n'a pas mis du coup pour renforcer la sécurité dans l'Est et en Boka na Bissou. Si vous avez ici, vous avez dit en Boka, Botika et Ango et les Kate, et Tika la Wana. To seng na ba koko nyonso, ba kuba chef koutume nyonso ya Kisangani, bo la muka. E koufa wana, vyon wana, e koufa wana. E tika la wana. Ba luka kit, ba pikati na suka. Ba pikati na suka. Macron, en fait, il nous a pris pour des cons, pour des gens facilement manipulables. Il peut faire ce qu'il veut. Amita, non, 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 ce qui a enfilé, non. Oko kanga eka aboye, ye Macron, no kangi eka aboye, ye mba la mota. Macron, yoko yoko tele matin na commune, moko, tana quartier, moko, atana avenue, mon mba mona yo exate, poko leka inaperçu. Macron, tu as enfin compris. Tu as enfin compris. Tu as voulu mijoter et puis heureusement, bah intercepter en gros, bah service et à sécurité, bah qui vigilant et souple face à ma cam. Bon, parce que bah il n'y a pas qui s'en rappelle à Kisangani, bah quoi sinon qu'ils apprennent tout ça. Bah qui s'en rappelle à Kisangani, après au Kisangani, bah on dit qu'on recrute bah jeune, bah parce que bah on m'a dit qu'il y a une sécurité, bah on dit aller bah déstabiliser mon. Tout est possible, ne faisons confiance à personne, ni aux gens avec qui nous vivons sous le même toit. Tout est possible, il y a des gens qui sont au service du mal, dont nous fréquentons. Toyebiango, mais tellement les voies sont difficiles pour toi se séparer na bango. Toi, tu es au moins distance. Toi, tu es à distance pour toi mi battre. Il n'y a pas de hasard. Et surtout en matière sécuritaire, il n'y a pas de hasard. Dans ce contexte actuel-là, hein? Un avion militaire qui descend. Après les explosions, oh non, s'il n'y a même pas les armes dedans, il y a juste les passagers. Bon, les passagers, il fallait que vous ça crachiez. Vous avez sauvé 9 personnes, vous avez craché les bandits de la mobilité et vous appelez sous la mobilité. Il n'y avait pas de Congolais là-bas, donc vous avez craché, t'as besoin de l'eau montée. Et t'as besoin de ta mouquette. Et t'as besoin de ta mouquette. Alors, peuple congolais, toi continuer l'actualité, toi partager le lien. Rapidement, bande comme sous sous bakota na émission ya pokwa ya lelo toke inanu na niveau ya kwamut bande ko nangai ba congolais tozo ba révélation oyo epi to yeba na koke na Congo central avant tozo nga na capitale awa pona ko yeba na ko avancer na actualité landa élément oyo avec attention particulière. Déclaré tout haut d'avoir une mère rwandaise et d'un père congolais de l'Ituri. Déserteur dans l'armée depuis 2013, selon ses dires, mais qui se trouve sur les sols en proie avec des conflits persistants. Et l'autre déclare être du Kwilu. C'est là,
celle-ci nous a dit qu'il fait ce périple périlé entre Kinshasa. Donc il a fait Kinshasa, Kouamoutou, Kouamoutou, Nuki, Nuki, Koutou, Inongo. C'est celui-ci qui va évaluer même les nombres. Et il a des informations comme quoi les Rwandais. Oui, il va nous dire ça. Kinshasa. Chose grave, tous les deux présumés assaillants en détention parlent très bien les Swahili et les Kinyarwanda. Madame le gouverneur a voulu que les enquêtes continuent afin d'avoir toutes les informations possibles. Voilà, dire devant les autorités que nous avons des sujets étrangers, on va dire, hein, qui sont infiltrés chez nous. Et qu'est-ce qu'ils font, on ne sait pas. Donc c'est vraiment au service de voir et d'approfondir avec les informations. Après cela, Madame Rita Bola a regagné son domicile après avoir transféré ses deux. Bande gonanga ba congolais. Boyoki hein. Boyoki ba rwandais ba kangi ba ona kwa mutie. Bomon na misu. Ba longo kuna ba eti na ouest ya Congo. Sugo na lina ba vérité na bato tout o ba le satan na ba ona distraction, victimisation. Oh non, eh ba tout ti baza victimisé, baza discriminé, eh ona ba xénophobie. Si pour vous, vous mettez vos caboches et vos têtes en location pour vous empêcher de réfléchir, ce n'est pas le cas pour tous les Congolais. Il y a des Congolais qui s'empêchent de mettre leurs têtes en vente ou en location et qui les utilisent efficacement. C'est le cas de tous les Congolais actuellement. Vos stratégies de victimisation ne passeront plus. Expliquez-moi. En Angola, il y a des Bakongo et Angola, il y a des Bakongo et Congo. Certains Bakongo et Congo ont choisi carrément de vivre comme les Bakongo et Angola, ils sont là-bas. Par contre, Bamsoussoupé et Angola, ils ont choisi les Congo, ils sont ici. Chez les Brazzavillois, c'est pareil. Au niveau de la Zambie, c'est pareil. Dites-moi, ces gens-là se sont déjà constitués en communauté pour revendiquer quoi que ce soit au Congo? Il y a Liboso. Il y a Mibale. Ces gens-là se sont déjà constitués en groupe terroriste ou groupe armé pour revendiquer les terres au Congo? Je ne sais pas qui a la réponse. Il y a Misato. Les Rwandais sont les seuls à être étrangers sur les sols congolais? Pourquoi se comportent-ils comme ça? C'est ça le problème, tous ceux qui passent leur temps, oh non, bah vous discriminez, bah rendez sur base des faciès, mais ce n'est pas nous qui avions créé vos visages minimes là. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous qui avions taillé ou scié vos visages. Ce n'est pas nous. Vous êtes comme ça, assumez-vous. C'est comme nous, Congolais, nous sommes très beaux. Les femmes sont belles, les hommes sont très beaux, ils sont charmeurs, comment on peut dire ça, charmeurs, ils sont chambreurs, ils sont tombeurs des femmes, ils sont ceci, vous voyez, qui... Francis Vouemba, ce qui Francis Vouemba, ce qui Vouemba, je ne sais pas. Bon, et bien, mon boyébi. À Bali, ce qui Camerounais, ce qui peut Sénégalais, ce qui Coco Emilia. Parenthèse mouquée. Osomo, un dernier mois, c'est un peu à côté de Bali. À prononcer divorce, mais à quoi avancer. Nous, les Congolais, c'est comme ça. On a tout ce qu'il faut qui nous rend exceptionnels. Et on s'assume. Parfois, Bamsoussou, bah, utiliser à tout, un dernier mois. On s'assume toujours. Mais vous, Rwandais, pourquoi vous avez honte de vos faciès là? Hein, comme des girafes, des nilotiques, tout ça. Pourquoi vous avez honte de vous? Assumez-vous. Ça fait partie de vos cultures, ça fait partie de vos particularités. Assumez-vous. Ouais, avec la parenthèse mouquée. Mais je vais dire ceci. Si les Angolais, les Burkinabés, les Nigériens, les Zambiens, les Sud-Africains qui sont au Congo ne revendiquent pas des terres, ne se forment pas en groupe armé ou groupe terroriste, les Rwandais, tout-y, vous n'avez aucun droit d'ouvrir vos trucs là pour commencer à revendiquer quoi que ce soit. Pourquoi vous n'allez pas revendiquer à l'ouest, au nord? Pourquoi vous revendiquez seulement à l'est? Pourquoi? Pourquoi seulement à l'est? Parce que la plupart des minerais sont découverts là-bas. Bah ouais, bah comment nous sommes supposés là-bas découvrir pour qu'on appelle insécurité pour nous? Bah comment nous sommes donc quoi? Bon, y a vérité, t'es besoin de tantonner, besoin d'achouter. Ça se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Maintenant que le président a reçu les tout-Rwandais réfugiés au Congo,
le président doit également recevoir les Zambiens qui sont au Congo. Parce qu'en fait, l'Afrique, dans son histoire, l'Afrique, son histoire est caractérisée par multiples guerres et insécurités. Le peuple se déplace de façon naturelle, s'installe chez les voisins ou ailleurs. Tout ça, ça se passe comme ça. Mais ce n'est pas parce que les voisins t'ont accueilli à bras ouverts que tu viendras commencer à imposer tes lois à toi en dehors des lois qui régissent ou qui font marcher ces pays qui vous a accueilli. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Votre histoire est à victimisation. On a déjà compris. Des bouches à l'oreille, on enseigne à nos frères, à nos petits frères, à nos cousins, à nos petits cousins, tout ça, on enseigne ça. Qu'ils sachent que les Rwandais sont en quête des sols et ils veulent à tout prix balkaniser à travers avec le soutien de la communauté internationale, ils veulent balkaniser l'est de notre pays. Donc tout Congolais qui naît aujourd'hui a déjà l'idée sur ce que c'est un tuti nilotique. Ne vous inquiétez pas, nous sommes encore au début de la situation. Vous passez de l'est pour l'ouest, non? Vous passez de l'est pour l'ouest, na kwamu tango botu kuna bakangi rwandais. Bakangi rwandais, qu'est-ce que vous cherchez au Congo? Qui est ce Congolais qui se tapera les kilos de se lever un beau matin et commencer à circuler l'étendue du Rwanda pour chercher à revendiquer des sols là-bas? Qui sera ce Congolais-là? Qui connaît un Rwandais, un ancêtre rwandais qui a combattu au Congo, un ancêtre rwandais tuti, qui a combattu au Congo pour l'indépendance du Congo? Ce qui donnera crédibilité à votre présence au Congo aujourd'hui. Qui peut lever le doigt, lever sa main et soulever son doigt pour dire que voilà, moi, mon arrière, grand-père, grand-père avait combattu pour l'indépendance du Congo. Qui? Personne. Acceptez que les conditions qui vous sont imposées soient là. Soumettez-vous aux normes qui régissent ces pays. Obéissez aux conditions qui vous sont fixées. Et comme ça, vous serez considéré comme tout autre étranger sur les sols congolais, sans être inquiété. Mais tant que vous resterez arrogant, insolent, imbécile, insensé, en train de raconter des bobards, des anéries, des inepties, le long des journées, vous croiserez sur votre chemin tous les Congolais. Et un jour, vous allez changer de langage. Ce ne sera plus la victimisation, vous trouverez un autre concept. Soyez-en sûr, nous vous avons à l'œil. Nous vous avons à l'œil. Dans ce qu'on a actualité, bande de Kobalandia, chancelier, Tchala News, tout ce que nous avons dit, nous avons fait la mise sur le Kamouya Kwamout. Nous avons vu que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons distrait, que nous avons dit que nous avons dit il n'y a pas de Rwandais, je n'ai pas trouvé un étranger. C'est quoi que le gouverneur est un étranger. A Kangi étranger, à Zangé, il est un étranger. Tout le monde a dit que Lilia, il y a moninga na ye ambongo awa en train de mettre je ne sais pas moi quoi na maboko ya un gouverneur pour quelle finalité to yebite Landa vidéo wana Tapi Landa. Tala, omoni? Omoni loka tena maboko na ye? Omoni? Bomoni ango? Bomoni loka tena maboko na ye? Ba wangana neba ni yuko wangana. Oh non, enza songi luzitu. Pisi yon stoyebi luzitu ti? Luzitu eza habongo, tezi ala kano luzitu. Nous sommes tous arabes. 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 Nous sommes tous étrangers. Nous sommes tous congolais. Alors, nous sommes tous arabes. 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 Consciemment ou inconsciemment. Nous sommes tous arabes. 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 Nous sommes tous Na ye mouto a zozo a iloko, pwa ke ope sa fachimbote. Ba ye ba ite ke ba o baza filmé. Et ke extrait wana ye kobima. Je me pose maintenant la question, la personne qui a filmé, il y avait beaucoup de gens autour. Pourquoi la personne a focalisé sa caméra sur ces deux-là? Pourquoi la personne a focalisé sa caméra sur ces deux-là? Pourquoi? Regardez. Voilà.
caméra-là. Pourquoi la personne va focaliser sa caméra sur ces deux-là? Pourquoi? Déjà de un, voyez bah que Muto a filmé à cause à n'importe qui. Azaka Muto, soit dans la délégation à Fachi, soit dans la délégation à Yemoko gouverneur Wana. Parce que la place où il y a à Télémi Wana, et puis azo filmé, à quoi qu'on filmé, soit dans l'autorisation, à quoi qu'on filmé, soit dans l'officielle. Kuna. On se pose maintenant des questions. Qu'est-ce que le monsieur en soutane a donné au gouverneur? Et qu'est-ce que le gouverneur a pris entre les mains de ces messieurs en soutane? Nous nous posons la question. Nous nous posons la question. À moins que nous n'ayons pas le droit de les faire. À moins que nous n'ayons pas le droit de les faire. Nazong sa sous vidéo yo. Namo bimba. Regardez attentivement ce qui se passe. Peuple congolais, pasteur Roland Dalo, assis à l'obaki na Mokondiamboka a sala nyonso, a joué la précaution pour la sécurité naï. Alors, na boina ke na commentaire nanga na musika hein pour toyoki ke ba service ya renseignement pe sécurité ba si ba se charger na dossier tozoti kana en temps ba mo ba sa musala soki musala na bango ekobi ndebi so beto yeba na kozwa ba conclusion ya musala na bango pour na koya ko dévoiler yango avant na tia ba image oyo pour na koya ko dévoiler yango awa mikolomizali koya. Mais auto liu ko lobana ba image wana ezali ete ba congolais. To ebisi biso ba congolais to ebisi mokondi amboka vigilance. Na ba periode ezali très sensible pour na vie na yo, pour na Congo, confiance ata na mututé. Confiance ata na mututé peu importe. Ta la image yo. Dossier en route. Sika image ou on a gouverneur et bimeli et banda qui dia danda peuple congolais, vous avez un amour qu'on dit à l'école à Kéi pour la coïncidence électricité. On est allé à l'école et à Tanga Kimbanza Bouman à Nouvoy à Kassangou, Bandangou plutôt. À Nouvoy à Bandangou, à Kéi Wana pour la coïncidence et construction. Il y a Balotiliki. Courant et c'est le quota. La cité wana ya Mbanzangungu. Et mon quoi sali déplacement pour na lancer ba travaux. Né na occasion wana ne bo moni vidéo ya gouverneur wana et. Voilà. À occasion ya mosala oyo ne gouverneur a ebina ko pesa mbote awa et pa ina mokondi amboka na bilio ko mona
Voilà peuple congolais. Ndebo moni mbote wane sanini et pesami. Gane na lobia ba service à renseignement koti déjà na dossier. Tout en espérant une suite favorable de cette situation, tozali toujours aux aguets et vigilant pour na poursuivre des pré-situations. Fati pasteur Roland Dalwasi aloba ki makambo etali protection na yo physique. Ce n'est pas parce que vous avez des temps en international que au niveau national vous allez sécuriser. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et dans l'international, et dans le national, les Sénégalais sont toujours vigilants. Pour le roi, si vous comprenez que sous la réunion, vous avez des gens qui national. Mais il faut que vous kenge vis-à-vis de collaborateurs. Vous avez des gens qui ont une sincérité, des gens qui ont des loyautés, des gens qui ont des kabilistes, et les Sénégalais sont caca vigilants. Et c'est Osaka vigilant. Bah catholique, bah image est ciblée. Donc c'est quoi ça? Explication montée. Pourquoi on a bangoué Tali bangoué, bangoué Bayin, na bangoué Fati. Et Tali bangoué. Eh, attends bah boni, attends bah empoisonné, attends bah Bosuki, Bosuki, Bosamboué le quoi un bon wakala. Bosamboué. Bien au moins des bokendeo. Bien au moins bokende avant. Au moins des gens à Kati. Mutu moi azobe la zana koma. Bosé la koufa. Hier à Koufi non t'aimes bateau bah en bonne santé. Abetika liba quoi à Koufi. Vous avez bien des gens à Kati. Bo fanda bo sa ba complot bo li abambon one bo li ki ba smartphone na 2018 bo li ali susu bo kende bino moko sacrifice na ba pacte na bino bo kende bino moko po bo bo za pe important te po na république donc moko kende to seng na sécurité a fati e fungo la misu makambe ko za facile bo été e ko za facile bo été na vidéo na on voit clairement qu'au début Monsieur Moko y a protocole a fixé qui bango penza regard et son regard a déstabilisé les messieurs gouverneurs. Maintenant on fatia qui t'a mutuka mutwa protocole a baluki mbala moko ta la fati et pendant ces temps-là de ba makambo ya maboko na maboko wana ilekani. Tose l'explication claire. Hmm? Tose l'explication claire. Na geste wana o luzito luzito. Tube dona bande ka ba Congo. Tube dona bande ka ba Congo ko sabiso na nini? Boko sabiso na nini? Boko sabiso na nini? Na ba famina biso ba Kongo pe bazali. Boko sabiso na nini? Luzito, luzito. Madame ko nini luzito ko me otia ba bolo wa ba menote mutu na ndenga sima. Luzito na ndenga ni. Ya wana lesa ki fachi ya. Loko ba nde ya ko tia charge ya sécurité petit frère. Luka ta ba sécurité wana wo penza ya bambila wana. Ba uta tana kabe ya kamwanga. Ata ba Christian Tshisekedi wana ko tia ba ona likambo ango. Ko ba baza ba vigoureux eh. Bazali vraiment batumo baza très grand physiquement. Koti sa bango. Ba s'entraîner, ba ya ko protéger yo. Ba ya ko protéger yo. Po le ba on no so bana lokumu famille présidentielle. Alors ba bat la yo muto pe si bango opportunité ko ko benga ma o bazo benga malelo. Koti sa bango. Koti sa bango se ko zo batu na yo ki ba de ko na biso ya Équateur, ba sal nini? Ba liaou, ba busa, ba njoli. Ba ramoto ba ngonso ba sali bloc ba lo bazo ko luka ba solution pour na likambwa est et puis candidat na bango 2023 candidat unique na présidentiel Fati ba tuana baramoto wana ba o ba yebi général baramoto wana oyo kombo epesa mena mabongo na port ya Gombe awa na gare centrale zo okende zo ki limité général baramoto ba o ba yebi ba yebi pesa batu wana confiance ngana o se la bango video ka miti na TikTok na za numero liaou na za numero njoli na otinde la bango ba video wana comme ça ba yebake bango bazali kuna ba officiel biso be kote ya presse pe to zali biso ngoso sa la bloc poto sa nini to anéantir banguna fati bongisa sécurité bongisa papa bongisa na lombango. Bon ça sécurité. Mbutungutu eleki. Bon ça sécurité. Et ça très important. Bon ça sécurité. Hmm? Batouana alikoli kolona. Bon ça sécurité. Batumobimba. Regardez, hein, je sais pas, chacun a sa façon de voir les choses. Mais moi, j'ai un regard très curieux. Un regard qui analyse dans la plupart des cas.
tant au fachet ça qu'on a foule topé à zone les cas place va te bazali regardez bien mon an bah sécurité n'est tantôt bas sur la banque bon à bâton sousou je ne sais pas par contre ça va être sur la fachi tout ça il n'y a pas de problème mais c'est pas les moments ce n'est pas les moments on doit sentir t'as là ceux qui Donald Trump à zone au tambola ceux qui Biden à zone au tambola ils n'ont pas besoin qu'on s'en va mindou qui ôte na meminga et artillerie en haut na au tambola na qui a eu pour sécuriser fachi bon côté. Bah même pas la posa à minute, bah va pistolet na bangwa mikem ki va tchè na katia veste. Bah on a bazo ko tambola. On me ki kata la ma kontan ba beti mbata. Bah vidéo on a zan on a partagé on koutou plusieurs fois na sepe ni ma kasi. Tan ba beti mbata. Mbala moko, mouton, au fait, eza moutou, ya te ke ote moutou mwa bimina foule aye o beta mbata te. Eza moutou oyo, baba ni so normal. Ah chance la boni, ah malam papa. Bah moko. L'état ma kon soutou ka basi ba bloke moutou ala ba minote ba longoli. Omoni, mais oya biso bazarandeni. Tata positionnement ya bateau. Tata positionnement ya bateau. Tu comprends clairement qu'il n'y a pas de l'ordre. Tu comprends qu'il n'y a pas. Le président n'a pas au fait la garantie de sa sécurité. Regardez. Regardez au début de la vidéo. Regardez comment tout le monde se positionne. Tala. Tala, tala, namupandi, ya gouverneur na prête. Tala, bateau, on débat au défi. Tala. Tande va au tambo la normal. Comme si rien n'était. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le président de la République est le seul moutou. Hein? Est le seul moutou. Oyo, ceux qui vont monier, vont monier République démocratique du Congo. Alors prenez votre mal en patience. Peut-être vous postulez en 1900, 1990, 2100, 2300, vous postulez. Ou vous avez invité, vous avez invité, vous. Mais pour l'instant, quand on parle du Congo, c'est lui le symbole du Congo. Alors il a droit. Si chacun de nous a le droit d'être sécurisé par un policier ou deux policiers par personne, ça fait 100 millions de personnes multipliées par deux. Ça fait combien? Prenez maintenant le nombre qui fait là. C'est comme ça qu'il doit être les citoyens les mieux protégés au Congo. Oui, à comprendre, à comprendre. Oui, à comprendre, à comprendre. Mboka, toi, n'a pas ça à Kimia. Moutoumote à cause de la sécurité, beaucoup facilité de départ. Moutoumote, on a dit à coup d'état, tout le monde a dit à la sécurité, on a pouvoir en ciment, bon mieux aussi. Pour avoir une bonne facilité, on a dit sur le général Mayele. Avant de faciliter tâche, binomo bossi bokei. Binomo bossi bokei. Na kei sugo na est peuple congolais. Pour na kozu la biso ba image oyo. Voilà na bloqué yo. Kende lo baba buzo ba na ona ba chaîne mususu awate. Alors, peuple congolais, tous les images au na est. Avant, toi ben faut continuer. Voilà peuple congolais. Bon, Olandawana. Oyo Ezali. Ba M23 Oyo ba Kimi Kibumba. Namokolo Alelo. Ba Kimi Kibumba. Na Tongo Tongo Alelo Tango Tongo Zotana. Ba bandaye koluka ba se positionne. Oh non, ba se retire. Ba zongi Rwanda. Tout ça. Nzoka Lokuta. Balinga ki baluka ko kende na niveau ya Nyiragongo pona ko zwa direction ya Goma. Lokwa nzamba lala kateka bango na bango to evite nani a pesi FRDC information. Kande ba o kende wana ba komina o fait ba kite ki boum ba komina 2 à 3 km ba bombardement est ciblé bango. Nombre bo moni wana seulement 15 personnes va s'en sortir vivant.
au bozo mona wana kaka 15 personnes de babimi vivants basundoli baminduki na bango et FARDC ayé à récupérer yango tant aux autres bana bango ke bino ba kumisa bino pa na batoyo baza complice na bino moya c'est nos vérités zate. Oh non, une armée conventionnelle ba comprendre ce que Congo et l'équipe bango ba kanginze la auto ke na biso to longo et to se retirer nzoka ba ling ba piéger ba FARDC ba contourner ba FARDC na niveau ya Kibumba nzamba la la kate ba zu bango ba bombardement catastrophique ba image ba photo wana ba ba komelanga na tinda ki déjà lo ya liboso ba ba komelanga li susu na koyeba na kotinde bango deuxième catégorie ya ba image na mokolo ya lelo na mokolo ya lelo matanga li susu na Rwanda Kagame a outu go benga Joao Lourenço, a ebisi Joao asa la nyon soa convaincre Fati, po Fati andi mwakuta na Angola, Fati aboyi. Kagame malobi, a ebisi Joao ke apesa ki deja maloba na ye pa na Uru Kenyatta, ke azali d'accord po na ko negosye na ba M23, po ba M23 ba se retire. Sauf ke nanu a yo ki avi ya president Tshisekedi te a se sujet. Alingi ba kuta na kuna, pour baie banako c'est fixé sur bazali d'accord ou pas pour na retrait ba M23 Fatia boy ko kende a boy pe rotinda lutundula libe ba libonga soto okufa tokufa na honneur mais toke ko sa compromission te atam ko mo kote soba ma biso no soba ma biso na honneur mais toke ko négocier te Kagame sia moni ke effectif e komi ko kita azana choate il faut asa nini a réévaluer ba stratégie na na niveau na zolo bana bino lobbying et mati ma casse na niveau ya international na otang la bino ba pays yango précisément te mais ne soyez pas surpris que Mikolo Zali koya Kagame ba destituer ye to ba bengana na pouvoir parce tout peut arriver bazu ba toi et assez ba na bango na Congo oh non ba epo na kobunda alors s'ils sont là pas pour combattre mais pour faire partir Kagame et Museveni de leur pouvoir. Qui peut savoir? So bazana pour na ko aider. Plan ya po communauté internationale asi a lembi Kagame, asi a lembi. Aso luka siwa ko changer na nani. Tu sais que dia boy ko jouer rôle wana ya mabe ya ko luka ko déstabiliser mboka. Siko bazo luka ba ozo anda ishimi eto William Ruto, bazo ko luka. Ne soyez pas surpris que batu oyo baye o batu a EAC ba yande po na koluka kosa nini ko contenir ba trouble oyo ko zala créer après instabilité na Rwanda na Uganda ngana sina flashé bino kaka po bozwa ide po mo kole ko koma bo se souvenir na ngai na mo alombango bo se souvenir na ngai mais likambo ezaliawa ezali attendre toyo kake baye pona déstabiliser Kagame. On Kagame comme ko luka ko supplier Fati oh non boye na boye azad d'accord ya ko retirer ba condition ba M23 ba se retirer mais Fati fois a rassuré que a ko attaquer ba M23 te a ko kangisa bango te tout ça Fati a boye makambo wana. To sengi na Fati na ba mikonji na biso ngoso bazo ko landela dossier oyo bo sala erreur te bo participer na déstabilisation ya Rwanda de façon officielle. Te officieusement oui mais officiellement non. Moza na kati ya communauté ya bato ya otante s'il vous plaît. S'il vous plaît. Basa makam na baonde bayaka na Kagame ba faire partie Mobutu, ndenge pe ba faire partie Kagame ba koyana ba ba koyana bango etali bisote. Etali bisote. Etali bisote. Basa makam na baonde ndenge na bango basi sango kuna etali bisote. Voilà peuple congolais to komi na suka ya émission. Boye ba ete Kagame Aza ya kolela. Ao senga kaka rencontre d'urgence na Fati. Po a tenté deux fois ko joindre Fati. Wane zaki nan la lingana lo bangote. Me fona lo bangon po bato ba lingana lo babilo. Ba yoka. A tenté deux fois. Ko joindre Fati. Na telephone. Fati a yambi ete. A tindi ba emissaire ba ye. Fati a boy ko yamba bango. Et bakis na ba propos yo route wa yaki nango Fati a boy koyoka Kagame a komi na suka meto senka na Fati de ko sote meli kamango tina niveau to komeli continuer nango continuer nango continuer ko tele melango continuer ko tele melango ko bima mutu pembe na likambo
sorobito sa ote bon ok na mincho sigo na ndimi kaka esuka ka bongo tout ça esili esili to kosambwa te mera bango tina suka respect ba merita kayango respect ba kriya kayango et ate go fandika bo bino mo respecte nga point ni te moto so sawa ko zate mais tant ozo ko imposer yango bato baza en face na yo bazo ko respecter waza mato ya koyoka ayoka na ton dibino no so boton di penza po na presence na bino na emission na biso ya poko ale otokuta le po na suite logique ya actualité na chaîne.